décoration de Noël, prise 2. Un tel que promis, cette année, on décore le sommeil! Salut! Tel que promis, cette année... Non, c'est pas ça. Dans 3, 2, 1, action! Salut! Bienvenue à l'atelier de décoration de Noël, prise 2. Un tel que promis, cette année, on décore le sommeil! Ok, c'est beau, oui. Tu peux présenter le matériel maintenant. Alors, pour débuter, on a besoin d'un sapin. Idéalement, déjà monté. Parce que s'il n'est pas monté, il faut le monter. Ensuite de ça, ça nous prend des boules. Des petites boules pour mettre un petit peu partout. Après ça, de la lumière. Des lumières. Des lumières, ça rajoute l'esprit de Noël. D'accord? Alors, juste avant de décorer le sapin, on va faire une histoire du sapin 101! Pour commencer, l'histoire du sapin débute 2000 à 1200 ans avant Jésus-Christ. Ensuite de ça, avant que ce soit les belles lumières qui font la magie de Noël, c'était des bougies dans le sapin. C'était un petit peu dangereux les bougies parce que ça faisait que les sapins pognaient en feu! On met maintenant des belles petites lumières. Au 6e siècle, un moine, Saint-Boniface, veut convaincre que cet arbre n'est pas sacré. Il a décidé d'en faire abattre un. Ils l'ont abattu, mais là, il est tombé, il a tout écrasé. Sauf un mini-sapin. Un mini-sapin, oui. Et tout le reste est écrasé. À partir de là, il s'est dit, « Oh my God! C'est un miracle! » Et qui est devenu l'arbre de l'enfant Jésus. De retour de un sapin! Alors, on a déjà pour toi préinstallé les petites lumières qui font la quoi? C'est ça, la magie de Noël! La façon simple d'avoir des guirlandes, c'est de faire... Guirlandes! Commence par le petit bout. Là, après ça, tu vas le démêler. Là, il faut retrouver le petit bout. Non, il est à gauche. Mais qu'est-ce bout? Ben, le bout de la guirlande. Trop fort! Attends, je pense que je l'ai vu, là. Il est doré. Alors, regarde la couleur dorée. Je suis dans le doré, là. Regarde. C'est pas doré, ça. C'est rouge. Ouais, là, je le vois. Alors, on va commencer par le haut. Alors, on installe. Voyons, ça pogne partout. Attention au décor, oui. Ah! Ma balle! Qui c'est qu'il n'y a pas? Oui, qui c'est qu'il n'y a pas attaché le sapin, là? C'est intelligent, ça! C'est dangereux! Hey, oui, tu pourrais peut-être en profiter pour dire aux amis qu'il y a des enjeux de sécurité liés à monter un sapin. Oui, quand on monte un sapin, on doit toujours le faire en compagnie de ses parents. Hey! C'est quoi ce décor à deux pièces, là? C'est bien croire qu'on est en pandémie, mais quand même! Ben oui, qu'on n'avait pas de budget pour le décor, fait que... C'est la dernière année que tu fais ça, je pense. Je pense qu'on est lancé dans le maquillage. Les guirlandes sont mises. On part.
passe maintenant aux boules. À vos marques, prêts, les boules. Alors, pour les boules, vous pouvez mettre les couleurs, la grosseur, la forme que vous voulez. Oups! Hey, même les boules sont d'une pièce. Mets des boules. Wick, faut que tu mettes comme la corde sur la branche, parce que sinon ça va tomber. Il y a une corde! Faites pas comme moi, les amis! Regardez votre boule avant de la mettre! Wick, le sapin est en train de tomber, là. Hey, viens là! Ça va se finir, cette affaire-là! Comme si de rien n'était. Mais là, on met-tu quelque chose en haut du sapin? Oui, une étoile. Ah! On n'a pas. On n'a pas d'étoile? Non. On va faire une petite pause, puis on revient. Et on met... Il manque quoi en tout ton sapin? Des cadeaux? Oui! Il t'a appris comment emballer des cadeaux l'an dernier. Si jamais tu t'en souviens pas, retourne voir la vidéo de l'an dernier. Hein? OK! Alors, on va juste remplacer ça. Wick? Il y a un problème, Wick. Hey! Tu es vraiment tanné? Là, je me trouve un plan B!